L'association éco-citoyenne à la ruche chapeloise vient d'organiser son premier vide-dressing au complexe sportif. 27 exposants y ont proposé uniquement des vêtements pour adultes, hommes et femmes, ainsi que des accessoires. Une démarche de développement durable par l'économie circulaire qui a connu un beau succès grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Le nombre maximum de vendeurs était atteint 3 semaines avant le jour J. C'est avec quelques heures d'avance que l'association Yaka a fêté Halloween. Pour commencer, un après-midi récréatif où jeux d'adresse et de réflexion sur le thème d'Harry Potter ont bien occupé les enfants et à l'issue duquel ils se sont vus remettre un petit cadeau. Le soir, les jeux ont laissé la place à une soirée dansante animée par Patrice Franklin avec au menu soupe au potiron et restauration rapide. L'artiste chapelois Jean-Michel Dutilly a clôturé son exposition dans l'ancienne galerie 37 rue Marle. Durant un mois, le peintre y a présenté une dizaine d'œuvres, des grands formats principalement en acrylique et huile. Si vous avez manqué ce rendez-vous, vous pouvez contacter Jean-Michel directement, il vous ouvrira les portes de sa maison atelier. L'espace Mandela a accueilli la chorale niépoise Mélie Mélodie pour un concert caritatif au profit des résidents de l'EHPAD Henri Boucherie. Sous la direction de Jean-Raphaël Mass, la soixantaine de choristes a interprété un répertoire de chansons contemporaines, françaises et anglo-saxonnes. Les bénéfices de ce concert permettront d'offrir aux résidents un séjour de 3 jours dont la destination reste à choisir.